Voilà. Ce soir, nous allons voir, Bérez Hachem, un problème d'Halakha assez épineux, avec pas mal de cas pratiques et de conséquences. Une question a été posée comme ça dans les poskim. Un cas est arrivé récemment, enfin il y a quelques années. Un enfant, Bar Minan, avait perdu l'utilisation de ses deux reins. Il était gravement malade. Il avait ses deux reins qui ne fonctionnaient plus. Et il était question, bien sûr, d'une greffe. Et on cherchait des donneurs. La maman de cet enfant s'est proposée à donner au moins un rein, donner un rein pour qu'il puisse au moins fonctionner. Et effectivement, on a fait des examens sur la mère. Et il s'est avéré que son rein droit, le rein droit de la maman, correspondait, pouvait être greffé sur l'enfant. La maman qui avait un peu d'argent, elle a voulu demander et solliciter les services d'un chirurgien privé, qui coûte assez cher. Elle a fait venir même de l'extérieur, certainement des États-Unis, en Eretz Israël, pour effectuer l'opération. Et voilà que le chirurgien effectue l'opération sur la maman, pour lui prélever le rein droit. Et voilà que, chose curieuse, le chirurgien fait une erreur. Alors, ne me demandez pas comment, mais en tout cas, il fait une erreur. Et au lieu de prélever le rein droit, il prélève le rein gauche. Et voilà que la maman, quand elle se réveille, elle est furieuse, parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il n'a pas fait son travail, je l'ai payé une somme d'argent colossale pour effectuer un travail bien précis. Il m'a ouvert le corps pour rien du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tournée vers son avocat et elle a attaqué en justice. Elle a attaqué le chirurgien en justice et lui a demandé beaucoup d'argent en dommage, de dédommagement de ce qu'il avait fait. Mais voilà que, entre-temps, l'histoire ne s'arrête pas là, entre-temps, le rein gauche qui avait été prélevé par erreur a été pris au laboratoire pour examen. Et il s'est avéré que ce rein gauche prélevé par erreur à la place du droit sur la maman était atteint du cancer. Ce rein gauche qui a été prélevé par erreur par le médecin était atteint du cancer. Ce qui veut dire que si le chirurgien n'avait pas fait cette, entre guillemets, erreur, cette femme se serait retrouvée sans aucun de ses deux reins. Pourquoi? Parce que s'il avait prélevé celui qui était prévu, c'est-à-dire le droit aurait été prélevé. Le gauche n'aurait plus fonctionné du tout du fait de la maladie qui serait propagée dans tout le corps et elle serait morte. Donc, on se retrouve maintenant avec un problème. Il y a deux questions qui découlent, deux questions d'Alakha qui se découlent, qu'on va étudier vers Hachem ce soir. Deux questions d'Alakha qui découlent de ce cas. Quelles sont ces deux questions? Première question, est-ce que le médecin est tenu, est-ce qu'on peut imposer au médecin, est-ce qu'on peut l'attaquer en justice, est-ce qu'il doit payer un dédommagement à la dame? Si ce n'est pas, deuxième question, si ce n'est pas le cas, est-ce que lui, le médecin, car lui aussi, en fait, ce qu'il a fait, c'est que lui aussi, il a attaqué la femme en justice, il a demandé, il a réclamé son salaire qui était prévu pour l'opération. Est-ce que, donc, première question, est-ce que la femme est en mesure de l'attaquer en justice, de lui réclamer un dédommagement? Deuxième question, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si le médecin n'est pas attaquable, si on ne peut pas lui réclamer de l'argent, est-ce que lui est en droit de réclamer son dû, car on ne peut pas occulter qu'il a quand même sauvé la vie de cette femme, certes sans le vouloir, sans le savoir, parce qu'il a fait une erreur, mais cette erreur a engendré le sauvetage de cette dame. Donc il est quand même quelque part, même si ce n'était pas tel que c'était prévu depuis le départ, cette opération était quand même une opération réussie dans le sens où il lui a sauvé la vie, même si ce n'était pas ça qui était prévu au programme. En tout cas, donc, c'est les deux questions qu'on va essayer de voir ce soir. Et en fait, à travers ce cas, on va aborder le sujet de sauver la vie de quelqu'un sans en avoir l'intention. C'est exactement le cas. Ce médecin a sauvé la vie de cette femme, mais sans en avoir l'intention. Il était prévu au départ qu'il ne fasse qu'un prélèvement de rein pour le greffer sur l'enfant. Mais il s'est avéré qu'il n'a pas fait que ça, il a sauvé la vie. On va voir maintenant, les deux parties adverses, la dame
d'une part et le médecin d'autre part, est-ce que les uns et les autres, est-ce que l'un et l'autre peuvent se réclamer mutuellement de l'argent ? On va voir ça ce soir. Pour répondre à la première question... Oui, bien sûr, il a été sauvé. C'est vrai qu'on n'en parle plus. Il a été sauvé, oui. Maintenant, pour répondre à la première question, rappelez-vous que la première question, c'était quoi ? La première question, c'était est-ce qu'on peut réclamer de l'argent au médecin à titre de ce que l'on appelle dans la halakha Deme Habala. C'est quoi Deme Habala ? C'est de l'argent de dédommagement pour blessure physique. Dans la Torah, ça existe. Il y a une loi comme ça dans la Torah. Quelqu'un qui blesse physiquement un autre juif, il doit lui donner de l'argent. Il doit le payer, il doit lui dédommager pas mal de frais. Pas seulement le frais de la blessure, mais d'autres frais, le frais de qu'il ne peut pas aller travailler, etc. Bref. Alors, cette dame, elle réclame au médecin de Mehabala. Elle réclame au médecin, tu m'as ouvert le corps, donc c'est une blessure physique, tu me l'as ouvert pour rien parce que tu n'as pas fait ce qui était prévu au départ, je te réclame de Mehabala. Le Rav Yitzhak Zilberstein, Shalita, tranche sur cette première question que non, on ne peut pas poursuivre le médecin. Le médecin, on ne peut pas lui réclamer de l'argent à titre de Demeh Habala. Pourquoi ? Car ce qu'il a fait, ce n'est pas une Habala, c'est une Hatsala. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas une blessure, c'est un sauvetage. Il a certes ouvert le corps de cette dame, il a retiré un rein atteint du cancer, et même s'il ne le savait pas, il a fait ce que chaque juif sur terre a le hiyuv, a l'obligation de faire, c'est-à-dire sauver la vie d'un juif. Donc ce médecin, étant donné qu'il a de toutes les façons, au final, sauver la vie d'une juive, on ne peut pas parler de Demeh Habala, on ne peut pas parler de poursuite judiciaire à titre de réclamation de dédommagement physique. Comme ça, tranche le Rav Yitzhak Zilberstein sur ce point. Maintenant, on va rentrer justement dans le point où il n'y avait pas de conscience. C'est-à-dire que ce médecin, certes, a sauvé au définitive la vie d'une juive, mais il n'en avait aucune conscience au moment où il le faisait. Il ne s'attendait pas à ce qu'il allait retirer un rein infecté par le cancer. Lui, il s'apprêtait à faire une opération qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire extraire un rein pour aller le greffer ensuite sur quelqu'un d'autre. Il ne s'attendait pas à ce qu'il allait sauver la vie de cette dame en retirant ce rein. Donc on va rentrer maintenant dans le problème. Est-ce que lorsqu'on sauve la vie d'un juif sans en avoir conscience, sans en avoir l'intention, est-ce que ça s'appelle quand même une mitzvah de sauver la vie ou pas ? Regardez, il y a dans les poskim, il y a un sefer qui s'appelle Shelot Utshuvot Sha'are De'a. Shut Sha'are De'a, Siman Nun Zayin. Il dit la chose suivante. Il dit, il y a une mahloket dans les poskim, il y a une discussion dans les poskim sur le sujet de savoir est-ce que mitzvot tzerichot kavana ou l'autre tzerichot kavana. Il y a une mahloka dans les divergences parmi les décisionnaires à savoir, est-ce que lorsqu'on accomplit une mitzvah, est-ce que pour que cette mitzvah soit valide, est-ce que l'acte de cette mitzvah doit être accompagné d'une conscience, d'une kavana, ou pas ? C'est-à-dire que quelqu'un met les tefillines et il pense à tout et à rien, sauf à la raison pour laquelle on met les tefillines, c'est-à-dire se rappeler du bras puissant d'Hachem lors de la sortie d'Égypte. Pourquoi on met les tefillines ? Pour se rappeler du bras puissant d'Hachem lors de... Alors maintenant la personne met les tefillines, et elle pense à tout, sauf à ça. Ça veut dire, elle pense à la facture de DF, elle pense à la facture de téléphone, elle pense à ce que Freha est en train de lui prendre la tête depuis 3 mois. Elle pense à tout, mais sauf à ce qu'il faut penser à ce moment-là. Est-ce qu'elle est quitte de Tevilin ou pas ? Mitzvot, srichot kavana. La halakha à l'étranger, dans le Shulchan Aruch, à plusieurs endroits, que les mitzvot, pour qu'elles soient valides, doivent être accompagnées d'une kavana. Les khathila. Bedir avad, a posteriori, si quelqu'un a fait la mitzvah, mais il n'a pas eu la kavana qu'il fallait, il est quand même quitte. A posteriori, il est quand même quitte. Mais les chadhila, a priori, il faut accomplir les mitzvot avec la kavana propre à la mitzvah. Bon, très bien. Le Sha'ar et Dehan dit que tout ceci n'est valable que dans les mitzvot chez Ben Adam, la makom. Uniquement dans les mitzvot envers Hachem. Tefillin, Birkat Amazon, Souka, Lulav, Shofar. Les mitzvot, la Torah, les mitzvot envers Hachem. Ce qui n'est pas le cas dans mitzvot chez Ben Adam la Havero. Il dit le Sha'ar Dea, dans les mitzvot envers le prochain, on s'en fiche de la kavana. Voilà. On s'en fiche de la kavana. Pourquoi ? Parce que les mitzvot chez Ben Adam la Havero, les mitzvot qui a ordonné qu'on doit accomplir envers notre prochain,
Quelle est la raison? C'est pour le maintien du monde et que pour le hesed, pour que le hesed soit pratiqué, pour que la bonté soit pratiquée entre les gens. Qu'est-ce que je m'en fiche de la kavana de... Ce qui compte, c'est le résultat. Si tu as finalement fait du bien à quelqu'un, même si tu n'en avais aucune kavana, c'est le résultat. Le résultat, c'est que ce bonhomme, il a reçu du bien de toi. Même si toi, tu ne le voulais pas, il a eu le hesed de toi. C'est ce qui compte. Comme ça, il dit le sha'ar edéa. Comment le contraire? Oui, évidemment. Mais là, je parle dans le positif. Dans le positif, ce qui est une grande différence entre mitzvot chez Ben Adam la Makom, mitzvot chez Ben Adam la Havero, les mitzvot envers Hachem, les mitzvot envers autrui, envers son prochain, c'est que les mitzvot envers Hachem doivent être accompagnés de la kavana propre à chaque mitzvah. Tefillin, Birkat Amazon, Tsuka, Lulav, tout ce que vous voulez. Par contre, les mitzvot de Tzedaka, de Chesed, Ben Adam la Havero, même si celui qui a agi n'a eu absolument pas la kavana de faire du bien. Non, mais il a fait un acte, il a fait un geste, et puis il y a eu des conséquences de ce geste que X ou Y personne en a reçu du bien. Eh bien, ça s'appelle qu'il a accompli la mitzvah de Hesed, même s'il n'en avait absolument aucune intention. Il y a un exemple, il y a plusieurs exemples. Il y a par exemple, la Gemara dit dans Masechet Bava Batra Daf Yud, elle dit, « Ve'amar Rabbi Abru, sha'alu et Shelomo ben David, adekhan koha shel tzedaka. » Rabbi Abou, il dit dans la Gemara de Vavatra, il nous dit, jusqu'où va la force de la mitzvah de Tzedaka? Et on a demandé à qui on a posé cette question? Shlomo HaMelech, Shlomo Ben David, le roi Salomon. Shlomo Ben David, on est allé voir Shlomo HaMelech, on a dit, Rabbeinu Shlomo, dis-moi, jusqu'où va la force de la mitzvah de Tzedaka? Et là, on a répondu, Amar Lahen, leur a répondu, Tseou ma piresh David Abba. Il a dit, allez-y voir ce que mon père David a écrit sur la mitzvah de Tzedaka. Qu'est-ce qu'il a écrit David sur la mitzvah de Tzedaka? Dans Tehilim, c'est marqué, Tehilim Kufyut Bet, c'est marqué là-bas un pasouk. David a même écrit un pasouk sur la Tzedaka là-bas. Il dit, Pizar Natan la Evionim, Sidkato Omed et Laad, Karno Tarum Bechavod. David a même écrit dans Tehilim, Pizar c'est quoi? Pizar c'est éparpillé. C'est des choses qui s'éparpillent. Pizar Natan la Evionim. Si quelqu'un n'a pas donné son argent aux pauvres, il n'a fait que l'éparpiller. Vous allez voir, vous allez comprendre. Eh bien, il dit David, Sidkato Omed et Laad. La tzedaka de ce bonhomme, elle pérennise éternellement. Karno Tarum Bechavod. Il n'en aura que gloire et honneur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On explique ça par un machal. Imaginez-vous quelqu'un, il marche dans la rue. Un bonhomme, il marche dans la rue et dans ses poches, il a des pièces. Il a des pièces d'argent. Et il marche. Seulement, ouais, il est marié avec Wahda, elle ne sait pas coudre. Et ses poches, elles sont trouées. Ses poches sont trouées, lui, il ne sait pas. Et il marche, puisqu'il marche normalement comme ça. Et il ne se rend pas compte que ce qu'il est en train de perdre. Toutes ses pièces sont en train de tomber de son pantalon. Il ne se rend pas compte. Et il marche, il avance, il s'en va. Et il y a un pauvre qui passe par là, et il trouve les pièces. Comment ça s'appelle ça? Ce monsieur, il a fait la mitzvah de Tzedaka, on n'a pas fait la mitzvah de Tzedaka. David HaMelech a dit, Pizar Natan la Evionim, Tzidkato Omed et Laad. David HaMelech, il a dit, bien que ce bonhomme n'a fait que perdre son argent, il n'a fait que éparpiller ses pièces, Pizar, d'accord, il n'a fait qu'éparpiller ses pièces, Tzidkato Omed et Laad. Cette Tzedaka qu'il a fait, elle reste pérennisera à tout jamais. Ça veut dire quoi? Vous avez une preuve d'ici, que dans les mitzvot chez Ben Adam Lamakom, dans le mitzvot chez Ben Adam la Havero, dans les devoirs envers autrui, il n'y a pas besoin de kavana particulière. Ce qui compte, c'est que ce pauvre, il a ramassé ses pièces. Et il a eu la tzedaka. Ça s'appelle tzedaka. Pourtant, il ne lui a pas donné ma mâche. Il n'a fait que les perdre. Il n'avait que les perdre. Et l'autre, il a ramassé. Psahto, Baruch Hashem. Il a ramassé. Ça s'appelle tzedaka. David Amelech, il appelle ça tzedaka. Tzedkato, Omed et Laad. Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de kavana. Il y a un autre exemple. Donc on va étudier dans Hilchot Shabbat. La Gemara, c'est une Gemara que j'avais déjà ramenée dans un autre shiur, pour rendre dans un autre contexte. Vous allez voir qu'il y a un autre exemple à travers lequel on va comprendre la même idée. La Gemara, elle dit dans Masechet Menachot, Daf Samechdal et Amud Aleph. La Gemara dit là-bas, Shama, Shetava'a Tinok Bayam, Uparas Metsuda Leha'alot Dagim Veha'ela Dagim Hayav. להעלות דגים והעלה דגים ותינוק, רבא אמר חייב, ורבא אמר פטור. רבא אמר פטור, זלבטר מעשיו, ורבא אמר חייב, זלבטר מחשבתו. ינקה.
Un cas comme ça, pendant Shabbat, vous savez que dans les melachot de Shabbat, vous savez que parmi toutes les activités qui sont interdites par la Torah pendant Shabbat, il y a une activité qui s'appelle tzeda, pêcher, chasser des animaux ou pêcher des poissons, c'est assur Shabbat mina Torah. Quelqu'un qui pêche un poisson pendant Shabbat, hayav, il est condamnable par la Torah à titre de transgression de Shabbat. Ça fait partie des 39 melachot. Bon. Maintenant, imaginez-vous que c'est Shabbat et qu'il y a un monsieur, il est pêcheur, mais il ne sait pas, miskin, il ne sait pas que c'est assur de pêcher Shabbat. Il ne sait pas. S'il savait, il ne l'aurait pas fait. Lui, il ne sait pas, il n'a pas appris. Il n'est pas venu comme vous au jour de pitoun le mercredi soir, donc il n'a pas appris. Bon. Maintenant, il ne sait pas que c'est interdit. Lui, miskin, qu'est-ce qu'il fait? Il va en mer pendant Shabbat avec son bateau et il lance ses filets de pêche dans la mer pour pêcher. Mais la Gemara, elle dit, imaginez-vous qu'à ce moment précis, un enfant tombe dans la mer et est sur le point de se noyer. Et lui, au même moment, lui, il ne sait pas. Au même moment, il lance ses filets. La Gemara, elle dit, premier cas, s'il lance ses filets pour remonter que du poisson, dans l'intention de remonter que du poisson, et qu'il a remonté du poisson, hayav, ça on n'en parle pas, c'est évident, il est condamnable. Hayav hatat, parce qu'il est shogeg, il est hayav pam mita, il n'est pas condamnable à mort, parce qu'il est involontaire, il ne savait pas que c'était interdit. Alors qu'il est hayav korban hatat, il faut qu'il amène un sacrifice expiatoire au Beit HaMikdash, parce qu'à titre de transgression de Shabbat, de profanation de Shabbat involontaire, très bien. Maintenant, si il a lancé son filet, et il a remonté du poisson et l'enfant. Il a sauvé la vie de l'enfant. Mais il a aussi remonté du poisson. Est-ce qu'il est hayav ou pas hayav? Mahloket. Rabba ve Rava. Rava amar hayav. Rava, il dit, il est condamnable à titre de profanation de Shabbat. Bien qu'il a sauvé la vie de l'enfant, il est condamnable à titre de profanation de Shabbat involontaire. Il doit amener un korban. Il doit amener un sacrifice de Beit HaMikdash. Rabba amar patour. Rabba, il dit non, pas tout. Il y a Rava et Rabba, c'est pas pareil. Rava, il dit Hayav, Rabba, il dit pas tout. Il est exempt de toute condamnation. Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison de Rava? Quelle est la raison de Rabba? La Gemara, elle dit Rava, il est Mahayev, il condamne. Pourquoi? Bien qu'il a sauvé quand même l'enfant, il condamne pourquoi? Zil Batar Mahshavato. Parce que Rava, lui, il dit, ce qui compte, c'est sa pensée. Or, au moment où il a lancé les filets, il ne savait pas que l'enfant était en train de se noyer. Il a lancé les filets pour monter du poisson. Effectivement, il a monté un enfant, mais ce n'était pas dans sa mahashava. Ce n'était pas dans sa pensée initiale. Donc, comme il n'avait pas la pensée de sauver un enfant, Rava, il dit, hayav, bien qu'il l'a sauvé au définitif, hayav, il est quand même condamnable. Rabba, il dit, zil batar ma'asav. Rabba, il dit non. Ce qui compte, ce n'est pas sa pensée initiale, c'est le définitif de ses actes. Si, puisque tu vois qu'en définitif, dans ses actes, il a sauvé la vie d'un enfant, pas tout, il est quitte. Il n'est pas condamnable. Vous voyez ici, encore une fois, vous avez la notion d'accomplir une mitzvah envers son prochain sans en avoir eu l'intention particulière. Il a sauvé la vie d'un enfant sans en avoir eu l'intention. D'après Rabba, patour. Et là, l'alakha, elle est comme Rabba. Le Rambam tranche, mais fourrage. Dans l'ilkhot shegagot, perek bet alakha tetvav, comme Rabba. Il tranche cette alakha comme Rabba, qu'il est patour. Pourquoi? Parce qu'au définitif, il a sauvé un enfant. Et comme ce qui compte, c'est la finalité de ses actes, et non pas la pensée initiale. D'après Rabba, c'est comme ça. D'après Rava, non, c'est la pensée initiale qui compte. Mais l'alakha n'est pas comme Rava, elle est comme Rabba. Rabba, il dit, ce qui compte, c'est la finalité de l'acte. Or, comme dans la finalité de l'acte, ce bonhomme a réalisé un sauvetage même non intentionnel, c'est ça qui compte. Vous voyez encore ici, de là, vous voyez encore une preuve que dans ce qui concerne le relationnel, ben Adam, la havero, si j'agis, si je fais un geste, quel qu'il soit, même sans intention particulière de faire du bien à qui que ce soit, si au final, il en ressort du bien pour quelqu'un, ce bien m'est imputé. Ce bien m'est accordé à moi. Ça veut dire que j'ai accompli du bien. Ah, je n'avais pas l'intention,
L'achpat là, on s'en fiche. À la fin de la finalité de ton acte, a engendré du bien pour quelqu'un, ça t'est octroyé. D'accord. Donc pour tout ça, pourquoi? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure pour ce médecin qui a fait une erreur médicale. Il a fait une erreur médicale. Il devait prélever le rein droit et il a prélevé le rein gauche. Il s'est avéré qu'en faisant cette erreur, il a sauvé la vie de la femme parce que la femme était. Il s'est avéré que le rein, encore une fois, il est arrivé. C'est à cause de Giorgio l'autre jour avec le vin qu'il nous a donné à boire. Ouais. Il s'est avéré que ce rein prélevé était atteint du cancer. En le prélevant par erreur, il a sauvé la vie. Donc elle ne peut pas lui réclamer de l'argent parce qu'il n'a pas fait une habala, il a fait une hatsala. Il n'a pas fait une blessure physique, il a fait un sauvetage. D'accord. Donc vous voyez donc des preuves que je viens de ramener qu'on ne peut pas réclamer quoi que ce soit au médecin. Malgré tout, bien que la femme ne peut pas le poursuivre, elle ne peut pas lui réclamer de l'argent, malgré tout, le Rav Zilberstein dit que les autorités, le gouvernement, l'État, se doit de poursuivre ce médecin à titre de négligence médicale. C'est quand même pas sérieux ce qu'il a fait. Un médecin est responsable de ses actes. Un médecin agit en tant que responsable. Donc la femme n'est pas en droit de lui réclamer parce qu'il lui a quand même sauvé la vie. C'est normal, comme avec toutes les preuves qu'on a rapportées. C'est HM, c'est pas peut-être, c'est HM. Mais malgré que c'est HM, justement, malgré que c'est la main d'HM qui l'a guidé pour sauver cette dame, lui, en tant que médecin, il n'a pas le droit d'agir comme ça. En tant que médecin, il dit, le Rav Zilberstein, que les autorités se doivent soit de lui retirer son permis d'exercer, sa licence, soit lui infliger une terrible amende, de façon à ce qu'il comprenne qu'il n'a pas à agir avec, parce qu'il a agi avec négligence. Comment? Tu dois opérer le rein droit, t'opérer le rein gauche, il y a un gros problème quand même. C'est quand même une terrible erreur. Bien qu'elle a été très bénéfique, cette erreur. Mais ça, c'est un autre dossier. Il veut dire, le Rav, on sépare les dossiers, ça n'a rien à voir. Il lui a sauvé la vie, c'est une chose. Il a sauvé la vie, c'est une chose. Mais lui, en tant que professionnel médical, c'est une erreur qui est impardonnable. Parce qu'il n'a pas, un médecin doit agir de façon responsable. D'ailleurs, comme c'est marqué dans un pasouk de Tsefania, d'une David Tsefania, c'est marqué là-bas, B'kshu et Hashem kol am ve'aretz, Asher mishpato pa'olo. Asher mishpato pa'olo. On parle, dans un même pasouk, on parle de deux idées contradictoires. Le mishpat, c'est le jugement de quelqu'un. Pa'olo, le po'al, c'est l'œuvre de quelqu'un. Ça veut dire que quelque part, il y a du négatif, le mishpat, ça veut dire qu'on va lui demander des comptes sur ce qu'il a fait. Et de l'autre part, on parle de son œuvre, ça veut dire les choses positives qu'il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, elle dit dans Yebamot, sur ce pasouk d'Afa'in Het, la Gemara, elle dit là-bas, Ba'asher mishpato sham pa'olo. À Kadosh Baruch Hu, lui aussi, il dissocie les dossiers de quelqu'un. Ça veut dire, par exemple, vous savez très bien qu'une avera n'annule pas une mitzvah. Vous savez très bien que vis-à-vis d'Hachem, quelqu'un qui a fait une avera, ça n'annule en rien une mitzvah qu'il a fait. C'est que, par exemple, quelqu'un il a fait mitzvah de tzedaka, par exemple, et tout de suite après, il a dit du lashon hara. Le lashon hara qu'il a fait, c'est une avera qui sera traitée en tant que telle, mais qui n'annule en rien la tzedaka qu'il a fait. Tout est dissocié chez Hachem. Tous les dossiers sont dissociés. Eh bien, ici, c'est pareil. Bacher mishpato sham parolo. Ce médecin, d'une part, on lui donne un bénéfice, c'est qu'on lui dit, on ne peut pas te poursuivre. La femme ne peut pas te réclamer de l'argent. Donc ça, c'est parolo, parce que tu lui as sauvé la vie. Mais mishpato, il faut aussi que lui, il en tire une leçon de ça. Donc l'État, le gouvernement, les autorités se doivent de lui infliger une sanction de façon à ce qu'il comprenne qu'il doit agir dans l'avenir de façon responsable. D'ailleurs, excusez-moi, je continue. D'ailleurs, le Maguide de Douvna, Alav Shalom, il pose une question terrible. Il dit, on sait très bien que la Gemara dans Gittin Nun Zayin, elle nous apprend que les descendants de Haman Arasha, de la Megillat Esther, vous savez que Haman, il a été tué, lui et ses 10 enfants. Mais ses 10 enfants, ils avaient des enfants. On n'a pas tué leurs enfants à eux. On a tué que Haman et ses 10 enfants, mais pas les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants d'Haman. Eux, ils existaient déjà. Ceux-là, on ne les a pas tués. Eh bien, la Gemara, elle dit dans Gittin que des descendants de Haman Arasha sont convertis au judaïsme et ont enseigné la Torah à Bnei Berak. Comme ça, la Gemara, elle dit dans Masechet Gittin. Oui, exactement. Et j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un truc sur les nazis. Il y a eu un nazi, un descendant d'un nazi. Et d'ailleurs, on a fait le rapprochement avec Haman.
Ça se rapproche avec Haman. Göring. Un de ses descendants, un de ses arrière-petits-fils, quoi. Il s'est converti au judaïsme, il est un Talmid Hakam Ibn Ebrak. Ouais. Donc, et on a fait le rapprochement avec Haman. La Gemara le dit sur les enfants, les petits-enfants de Haman, les descendants de Haman. Donc, et ici, le Maguid de Douvna, il pose une question. Écoutez bien la question qu'il pose le Maguid de Douvna. Il demande, il dit comme ça. Il dit, bon, que les descendants de Haman aient eu un zéchout, un mérite extraordinaire d'enseigner la Torah à Ibn Ebrak, c'est une chose. Pourquoi pas? Mais il pose la question, il dit, mais ce rachat de Haman, avec tout le mal qu'il a fait et qu'il a voulu faire au Ham Israël, qu'il a voulu l'anéantissement du Ham Israël Barbinan, qu'est-ce qu'il a fait ce Haman de si bien dans sa vie pour mériter des enfants comme ça, des petits-enfants, des descendants comme ça? C'est un zéhout d'avoir un petit-fils comme ça, un descendant, ne serait-ce qu'un descendant, ne serait-ce que d'avoir dans sa descendance. Quelqu'un qui va étudier la Torah, vous ne pouvez pas vous imaginer le zéhout que c'est. C'est un jackpot dans le ciel. Jackpot, vous êtes milliardaire. Donc imaginez-vous que ce Haman, il n'avait pas un ou deux ou trois, il en avait plein. La Gemara, elle parle au pluriel. Elle dit, « Mi bene banav shel Haman, le medo Torah b'bne berak. » Les descendants, ou plusieurs des descendants de Haman, ont enseigné la Torah. Ils n'ont pas seulement étudié, ils l'ont enseigné. Ils ont enseigné la Torah b'bne berak. Alors on pose la question, le Maguid de Douvna, il pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait sur la char de Haman dans sa vie pour avoir un tel mérite? Et il répond avec une image. Kedarkova Kodesh. Il répond avec une image. Il dit, il y avait un jour un prince, un fils d'un roi, il y avait le fils d'un roi qui était en train de manger du poisson. Et en mangeant du poisson, il y a une épine, une arête qui s'est coincée dans sa gorge. Emskin, il a commencé à tousser, il est en train de s'étouffer. Avec l'épine, il n'arrivait plus à sortir l'épine. Et il y a là-bas, à ce moment-là, il y a un voyou, un sale type qui passe à ce moment-là à côté de lui. Aracha. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lui donner des coups de poing dans l'épaule et dans le dos. Il commence à lui donner des coups de poing. Mais pourquoi faire? Pour le tuer, pour le frapper, pour lui faire du mal, pour lui prendre son argent. Il commence à le frapper dans le dos, il lui donne des coups de poing. Et qu'est-ce qui se passe? L'arête, elle sort. Donc il lui a sauvé la vie. En lui voulant lui faire du mal, il lui a sauvé la vie. Maintenant, ce voyou-là, il s'est fait arrêter quelques minutes après. Il s'est fait arrêter par la police du roi. Le roi, il était en colère. Et il a dit, comment tu as osé lever la main sur mon fils, le prince royal, le prince héritier du royaume? Tu as frappé, tu as donné des coups. Tu es condamné à mort. Il a condamné à mort. Et après, le roi, il a dit, mais comme du fait qu'en lui donnant ces coups, tu lui as quand même sauvé la vie, alors, regarde ce qui va se passer. Toi, tu es condamné à mort, mais tes enfants et tes petits-enfants sont mes invités à vie, à ma table royale, tous les jours. Alors, il dit le Maguid de Douvna, on a fait pareil avec Haman. Haman Arasha, lui, on l'a tué. Pourquoi? Lui, on l'a tué, parce qu'il a voulu détruire le Ham Israël. Mais, par les Gezerot de Haman, le Ham Israël a fait teshuva. La pression que Haman a mis sur le Ham Israël, c'est ça qui leur a fait faire teshuva. Ça leur a fait une teshuva extraordinaire. Ils ont accepté, la Gemara dit dans Masechet Shabbat, que les Juifs à Purim ont réaccepté de nouveau la Torah comme en Matan Torah au Har Sinai. Et cette fois-ci, ils l'ont accepté par amour. Au Har Sinai, les Bnei Israël ont accepté la Torah par peur, par crainte d'être détruits. À Purim, grâce à Haman, entre guillemets, ils l'ont accepté par amour. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, bon, tu as quand même fait du mal, tu crèves, tu meurs. Mais par contre, tu auras un cadeau, c'est que tes descendants enseigneront la Torah à Ibn Ebrak. Donc vous voyez, donc pour revenir à notre médecin, c'est pas parce que on le lave de toute poursuite judiciaire de la part de la femme, elle n'est pas en droit de lui réclamer des dédommagements, d'une part. Pourquoi? Parce qu'il lui a sauvé la vie. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas passible de sanction. L'État doit le sanctionner pour son irresponsabilité. Et ce n'est pas contradictoire à la lueur de tout ce que je viens de dire. Qu'on peut à la fois faire bénéficier quelqu'un d'un avantage, ouais, mais tout en le punissant en parallèle. Oui, rapidement. J'avais ramassé beaucoup d'argent de personnes et je devais aller
Je ne sais pas, ça c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que vous étiez. On vous avait nommé Shalia. On vous avait nommé délégué dans cette mitzvah. C'est des halakhot à part. Halakhot de Shlihout. Bien sûr. Ça, je ne peux pas vous répondre tout de suite parce que ça, c'est des halakhot qui sont dans notre domaine. En tant que shaliach, vous avez des halakhot bien particuliers. Vous avez des responsabilités qui vous incombent. Donc, je ne peux pas vous répondre comme ça. En tout cas, donc on a répondu donc à la première question que. Oui. Fait le contraire de notre histoire. Donc il s'est retrouvé sans les saints qui. Donc ça c'est un vrai judice. Bien sûr. Non réparable. Ouais. Non réparable. Ça aussi, celui-là par contre, celui-là, la femme elle est en droit de le poursuivre, celle-là. Celui-là elle est en droit de le poursuivre, elle doit le poursuivre, parce que c'est le contraire de notre histoire. Notre histoire, nous, il a enlevé ce qu'il fallait enlever, sans le savoir, sans le vouloir, mais il a enlevé ce qu'il fallait enlever. Tandis que là, il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Donc en tout cas, donc voilà, donc, je fais juste un petit récapitulatif. Donc ce médecin, pour l'instant, n'a répondu qu'à la première question. Donc, première question, ce médecin, on ne peut pas le poursuivre. La femme ne peut pas le poursuivre, ne peut pas lui réclamer de l'argent parce que on dit qu'il lui a sauvé la vie. Il a fait ce que chaque juif a le devoir de faire lorsqu'il voit un juif en danger. Et maintenant, si vous allez me dire, oui, mais il n'en avait pas l'intention, il ne savait même pas du tout qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce qui allait découler de son opération, là, on répond, avec tous les exemples que j'ai donnés, que lorsqu'il s'agit de pratiquer le bien avec autrui, on ne cherche pas la kavana. On s'arrête à la finalité de l'acte. Finalité de l'acte, c'est qu'il lui a sauvé la vie. Même s'il n'en avait pas la cavale, il n'avait pas l'intention, ça ne le dérange pas. Mais, maintenant, qu'en est-il de la deuxième question? La deuxième question, c'était quoi? Est-ce que lui, le médecin, est en droit de réclamer son dû? Alors, son dû, c'était quoi? Son dû revenait au départ. Son dû, c'était quoi? C'était un salaire qui correspond à quoi? À une opération de prélèvement d'un rein droit. Et lui, il s'est trompé, il a repris le rein gauche. Bon, maintenant, le problème, c'est que maintenant, le médecin, il dit, c'est vrai que je me suis planté de rein, mais d'une part, en me plantant, je vais sauver la vie, et puis deuxièmement, ça s'appelle une opération réussie. Parce qu'il n'y a pas eu de conséquences négatives, au contraire, il y a eu que du positif qui est sorti de cette opération. Si, l'enfant, il a été sauvé grâce à ça. Non, mais ça veut dire qu'on lui a trouvé un autre rein, c'est pas un problème. Mais cette opération-là de cette madame, ça s'appelle pas un échec, c'est ce qu'il réclame, lui. Lui, c'est ce qu'il rétorque. Il rétorque comme ça. Il dit, ça s'appelle pas un échec, parce que cette dame-là, je l'ai pas mis, non seulement je l'ai pas mis en danger, mais en plus, je lui ai sauvé même la vie. Donc, il dit, ça s'appelle une opération réussie. C'est une intervention chirurgicale réussie. C'est pas une intervention échouée. C'est une intervention réussie. Et en tant qu'intervention chirurgicale réussie, elle doit me payer mon salaire prévu, la somme prévue à la base. C'est ce qu'il réclame. Alors, quelle est la halakha? La halakha, elle est que la dame doit le payer. Elle doit lui rétribuer son salaire. Sauf que, elle ne doit pas lui payer une intervention, une intervention de prélèvement en vue d'une greffe. Elle ne doit pas lui payer le salaire qui revient pour une intervention chirurgicale d'un prélèvement d'un rein en vue d'une greffe. Car ce genre d'opération, c'est une opération très très compliquée qui nécessite beaucoup de sécurité, beaucoup de conditions, etc. Donc c'est une grosse responsabilité pour le chirurgien. Elle ne lui paye pas ça, elle ne lui paye pas ce prix-là. Elle lui paye une intervention chirurgicale pour prélever un rein infecté par le cancer. C'est ce qu'il a fait. Ce qui n'est pas du tout le même type d'opération, qui est une opération qui est déjà beaucoup moins importante. En comparaison, c'est moins important. Ça nécessite beaucoup moins de conditions et de sécurité.
Donc, elle le paye comme un chirurgien ordinaire qui aurait prélevé un rein qui était atteint du cancer. Et non pas comme un chirurgien qui prélève un rein en vue de le greffer tout de suite sur quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas du tout le même type d'opération, ce qui n'est pas le même coût. Et ça veut dire, on le paye, n'oubliez pas que ce chirurgien, c'est un chirurgien privé, qui est beaucoup plus cher que les chirurgiens du domaine public. Donc, on le paye non seulement, on ne le paye pas pour l'opération qui était prévue, on le paye pour la finalité, c'est-à-dire il a prélevé un rein infecté du cancer, donc on le paye pour une opération de ce type, et en plus on va le payer comme si que le salaire qui revient à un chirurgien du public, et non pas du privé. Voilà quel est le statut de la halakha sur ce chirurgien. Mais pourquoi vous allez me dire maintenant, enfin, ça peut sembler logique, mais on est en droit de se poser la question. Après tout, pourquoi faut le payer? Que la dame ne peut pas le poursuivre et lui réclamer de l'argent, ok, on comprend, parce qu'il lui a quand même sauvé la vie. Mais on aurait pu couper la poire en deux. Elle ne le poursuit pas, elle ne lui réclame pas. On aurait pu couper la poire en deux. Et pourquoi on dit non? Elle ne le poursuit pas, mais lui, il faut qu'il ait un salaire. Certes, pas le salaire qui était prévu, mais un salaire quand même. On a le droit de poser la question. Mais laisse tomber, coupe la poire en deux et on en parle plus. On en reste là. Haïm Tovim Shalom, à l'amiable. Tu ne poursuis pas, je ne te réclame pas. Non, il faut le payer. Pourquoi il faut le payer? Écoutez bien ce que je vais vous dire. La Gemara dit dans Masechet Avodah Zarah quelque chose de terrible. Terrible. Masechet Avodah Zarah d'Afnun He Amud Alef. La Gemara dit là-bas, בשעה שמשגרין אותה ענה לאדם, משביעין אותם שלא תלכו אליה ביום פלוני, ולא תצאו אליה ביום פלוני ובשעה פלונית, ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני. והיינו דאמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? וחולאים רעים ונאמנים, רעים בשליחותן ונאמנים בשבועתן. הגמרא אל תיקם זה, הגמרא פארד איזה פרוב, איזה פרוב, איזה פרוב, דולה וי. אל תיקם זה, אל תיקם שוב זה תריב, אל תיק, לוסקו, Bashamaim, on envoie les épreuves à un individu. Lorsqu'on leur donne le feu vert pour partir, s'attaquer à un individu, eh bien les épreuves, avant de les laisser partir dans le ciel, avant de les laisser partir sur quelqu'un, on leur fait prêter un serment, on les fait jurer. Et qu'est-ce qu'on leur fait jurer? On dit attention, vous allez jurer que vous allez vous attaquer à cet individu que tel jour. Et vous allez le quitter, vous allez quitter lorsque les épreuves quittent la personne, vous n'allez le quitter qu'à telle date, à telle heure, et par l'intermédiaire de monsieur un tel, et par l'intermédiaire de tel médicament et tel remède. Pas autre chose. Jurez. Et les épreuves, qu'est-ce qu'elles font? Alors, les épreuves, ça peut être des maladies, des problèmes d'argent, des problèmes de parnassa. Les épreuves, elles jurent, oui, on remplira notre mission. On va partir sur cet individu que tel jour, à telle heure, et on ne le quittera que tel jour, à telle heure, que par l'intervention de un tel, et par l'intervention de tel remède, etc. Ils jurent. Quand ils jurent, ils partent. Et s'attaquent à l'individu. Et Rabbi Yohanan, il dit, quand il a entendu cet enseignement, Rabbi Yohanan, il dit, je comprends maintenant le sens d'un verset de la Torah qui est marqué dans les klalot du parashat Kitavo. C'est marqué, Vaholaim ra'im ben emanim. À Kajbourou, lorsque si Israël n'accomplit pas la Torah et les mitzvot, et on verra tout un certain nombre, Hazushalom, Barminan, de malédictions. Et l'une de ces malédictions, c'est quoi? Vaholaim ra'im v'ne'emanim. Barminan, Rahman Yisselan, des maladies ra'im, mauvaises, v'ne'emanim, et fidèles. Que ça veut dire des maladies mauvaises et fidèles? Que ça veut dire des maladies mauvaises et fidèles? Rabbi Yohanan dit, écoutez bien, Holaim Ra'im, Ra'im Bishlihutan, des maladies mauvaises dans leur mission, elles vont faire des dégâts. Vene Emanim Bishwa'atan, des fidèles à leur serment. Ça veut dire qu'elles ne quitteront la personne qu'à la date et à l'heure et à la minute et à la seconde qu'elles ont juré, Bashamaim, avant de partir sur la personne. Alors maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, voilà pourquoi il faut payer ce médecin. Parce que ce médecin, il est ce Ish Peloni. Il est ce monsieur untel sur lequel les épreuves ont juré, c'est-à-dire on ne partira que par l'intermédiaire de monsieur untel. Eh bien, ce médecin, c'était le monsieur untel qui était décidé pour que cette femme se débarrasse de son cancer dans le rein. C'est pour ça qu'il faut le payer. Il faut le payer en tant que chaliah. Il faut le payer parce que c'est un chaliah. Voilà pourquoi il faut le payer. Donc vous voyez déjà, vous voyez de tout ça, hein, vous voyez de tout ça qu'il y a une multitude de questions et de points de halakha
qui peuvent sortir, qui peuvent découler de choses qui peuvent nous paraître que du moussard. Il y a des choses qui peuvent nous paraître que, comme étant que de l'éthique et de la morale. Et bien vous voyez qu'il y a des énormes problèmes d'alakha qui peuvent en découler. Donc vous voyez ici, donc pour récapituler, ce médecin, oui, il faut le payer. Mais il ne faut peut-être pas le payer, il ne faut pas le payer forcément la somme qui était prévue. Payer une autre somme, il faut le hayev de le payer. Et elle, par contre, elle n'a pas le droit de le... Elle ne peut pas le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il lui a sauvé la vie. Il lui a fait du chesed. Et même si ce chesed était non intentionnel, ce qui compte, c'est la finalité de l'acte. Pour terminer, je voudrais juste... ce qui ressort de tout ça, ce qui ressort de tout ça, c'est bien entendu une phrase que vous connaissez aussi bien que moi, une phrase de Rabbi Akiva. Kol ma'ide avid rahamana letav avid. Rabbi Akiva a dit toute sa vie, tout ce que réalise Hachem, il le réalise toujours que pour le bien. Il n'y a que du bien qui ressort de ce qu'Hachem fait. Sur ça, il y a une histoire extraordinaire qui s'est produite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rabbi Shimshon Pinkus, le Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il a raconté cette histoire. Il dit, il y avait, pendant la guerre, il y avait 400 juifs de nationalité allemande qui avaient réussi à fuir l'Allemagne nazie. Et d'une certaine façon, ils avaient réussi, tant bien que mal, à se réfugier en Angleterre. Ils avaient réussi à gagner l'Angleterre. Et ces 400 juifs de nationalité allemande, lorsque les Anglais les ont vus arriver, ils ont eu très peur. Les Anglais, ils ont vu arriver des 400, pour eux c'était 400 Allemands. Ils avaient nationalité, passeport allemand. Ils disent, c'est 400 Allemands. Ok, ils sont juifs, mais c'est 400 Allemands. Qui nous dit que parmi ces 400 juifs allemands, il n'y a pas des espions nazis qui se cachent parmi eux? Donc ils ont eu peur, les Anglais. Ils ont dit, on ne va pas les laisser, on ne va pas les garder ceux-là. Ils disent, même les Anglais, c'était des grands Shaim. Ils ont dit, on ne va pas les garder. Ces 400 juifs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affrété un bateau de la marine marchande. Ils ont affrété un bateau et ils ont mis tous ces 400 juifs dans le bateau. Et ils ont constitué un équipage de ce bateau. Avec quoi ils ont constitué l'équipage? Ils ont sorti des prisonniers des prisons anglaises. Des voyous, des prisonniers de droit commun, des repris de justice, des gangsters, des escrocs, des criminels de tout genre. Et on dit, allez venir, vous a trouvé un job. Vous allez prendre ce bateau-là, vous en ont tiré comme ça une dizaine, vous allez prendre ce bateau rempli de ces 400 Allemands-là, 400 Juifs Allemands, et vous allez l'emmener loin d'ici, en Australie. Vous allez l'emmener en Australie. Pourquoi l'Australie? C'est une colonie anglaise. Vous allez l'emmener en Australie, à l'époque. Vous allez l'emmener en Australie. Et ils ont pris, ok, ils étaient tout contents, on est sortis de prison, Baruch Hashem, on ne va pas dire Baruch Hashem, Mahashem, Mizikram. Et on dit, ils étaient contents. Ah, Allah, on a trouvé un job. Super. Ils sont montés dans le bateau. Et Allah, à peine le bateau il a quitté le port anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mamzerim, là, ces voyous et ces repris de justice? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont jetés sur les juifs et ils ont commencé à les voler, à les dépouiller de toutes leurs affaires. Ils avaient des valises, ils avaient des affaires qu'ils avaient apportées avec eux d'Allemagne, etc. Des vêtements, des souvenirs, des bijoux, de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont dépouillé leurs valises. Ils ont sorti tout ce qui les intéressait, c'est-à-dire les objets de valeur et l'argent, et tout le reste, ils ont pris les valises telles quelles et ils ont jeté à la mer. Et les pauvres malheureux 400 juifs, ils voyaient, ils se sont vus dépouiller et toutes leurs affaires et leurs vêtements et leurs souvenirs jetés à la mer. Ils ont eu beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Ils ont commencé à se poser 1000 questions. Et pourquoi Hachem nous fait ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Bien sûr, malheureusement, l'être humain, c'est un être humain. Et il s'en prend à Hachem. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés en Australie et ils ont refait leur vie là-bas, verroulé, etc. Maintenant, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Dans les années 80, ça veut dire 40 ans après la fin de la guerre, dans les années 80, on a retrouvé le journal de bord d'un commandant allemand de sous-marin. Et dans ce journal de bord, il était écrit, consigné, une histoire bizarre. Le commandant allemand raconte, dans ce journal de bord, qu'un jour, ils étaient au large de l'Australie et ils ont capté, par le radar, ils ont capté la présence d'un navire qu'ils ont soupçonné être britannique, mais ils n'en étaient pas sûrs. Et ils en ont informé Berlin, l'état-major, et ils ont reçu l'ordre de Berlin de tirer par sécurité sur le navire. Et il raconte, on a tiré, mais on n'a pas pu vérifier si on avait atteint notre cible. Et que quelques instants plus tard,
le radar a repéré des valises et des effets personnels qui flottaient à la surface de l'eau. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Il raconte toujours ce commandant nazi. Il raconte qu'est-ce qu'on a fait ? On a envoyé des hommes pour récupérer ses affaires, pour voir de quoi il s'agissait. Et quand on a vu, quand on les a ramenés à bord du sous-marin, ces affaires-là, on a trouvé des carnets, des livres où c'était écrit en allemand. C'était écrit en allemand. Quand on a vu ça, alors on a été rassurés, on a dit « Ah, ça va, on n'a pas tiré sur des Allemands, c'est bien, on va vérifier si le bateau il est encore là, et s'il est là, c'est sûr que c'est à eux, et c'est des Allemands. C'est sûr, il ne faut pas leur tirer dessus. » Ils ont informé Aouda, ils ont informé Berlin, ils ont dit « Voilà, le navire, ce n'est pas un navire britannique, c'est un navire allemand, on a retrouvé des effets qu'ils ont perdus. » Et il dit « On a reçu l'ordre en personne du Führer, ils ont reçu l'ordre en personne de ce Mamzer ben Kelev que de quoi faire ? D'escorter le navire jusqu'en Australie. Il a dit, vous devez les protéger, les escorter. S'il savait qu'il protégeait 400 juifs. Et vous allez les protéger jusqu'en Australie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le sous-marin allemand, il a fait surface et il a escorté le navire britanniques qui croyaient eux allemands remplis de 400 juifs jusqu'en Australie. Et lorsqu'ils sont arrivés en Australie, le bateau les a déchargé les juifs en Australie, mais après ils devaient retourner en Angleterre. Quand ils sont retournés en Angleterre, les Allemands se sont rendus compte que c'était un navire britannique. Ils ont appelé Berlin, ils ont envoyé un message à Berlin, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait, c'est un britannique. On dit tirez-leur dessus, détruisez-le. Et ils ont détruit le navire britannique rempli de voyous et de brigands qui avaient volé les juifs. Et les juifs ont été sains et saufs par les Allemands. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fait que pour le bien, sauf en ce bien. Nous, on ne le voit pas tout de suite. Et on est impatient, on est pressé de voir tout de suite la réalisation du bien, on ne comprend pas. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem ? Regarde le film jusqu'à la fin. Il ne faut jamais s'arrêter à la pub. Il ne faut jamais s'arrêter. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Quand il y a la pub, ils zappent. Il ne faut pas zapper. Tu vas rater tout le meilleur. Quand je dis, tu vas rater le meilleur. Attends jusqu'à la fin du film. Jusqu'à la fin du film, tu vas voir la fin de tous tes ennemis et le sauvetage des Bnei Israël. Amen. Amen.